Bon, salut, vous m'entendez bien? Est-ce que presque pas besoin de micro? Je veux tout. J'espère que vous passez un bon Brescamp. Ça se passe bien? Ouais. Bon, enchanté, du coup, je suis Thomas de Comic Strip, certains d'entre vous m'ont déjà vu tout à l'heure. Donc, moi et Étienne, on est venu aujourd'hui, on est très contents d'être là à Brescamp. C'est la première fois que je viens à Brescamp, c'est la première fois que je viens à Rennes, à vrai dire. Donc, la dernière fois, d'ailleurs, je dis à ma mère que je vais venir ici, à Brescamp, que j'ai une conférence de codeurs à Rennes. Elle me dit: ah bon? Bah, tu vas manger des galettes et tu vas faire de l'ordinateur. Je vais te le voir. Et oui, on fait partie des métiers qu'on a beau expliquer, réexpliquer, ça finit toujours par il fait de l'ordinateur. Et oui. Alors je me suis dit que j'allais expliquer une bonne fois pour toutes, c'est quoi notre métier. Merci. Du coup, voilà ce que je vous ai dit. Alors, chers amis, voilà, collègues, confrères, Canarman. Bravo Canarman. Alors, chers amis, comme je disais, collègues et confrères et Canarman, je vous dis bienvenue dans cette session la plus technique, la plus difficile, la plus pointue du Brescamp, le code expliqué à ma mère. Alors je lui dis que je suis codeur, que je développe des applications. Elle me dit: ah bon? Je croyais que tu étais ingénieur informaticien, que tu faisais des logiciels. Alors je me suis dit: bon, on va commencer par le commencement. Je voulais expliquer c'est quoi la différence entre un codeur, un ingénieur, ou même un webmaster, ou que sais-je. Alors, le codeur, comme son nom l'indique, eh bien, il code. Voilà. L'ingénieur informatique, il code aussi. Désolé, ça marche à peine. Il y a d'autres sortes de personnes, peut-être dans cette salle, comme par exemple des lead développeurs. Bon, ils codent. Certaines personnes se font appeler des DevOps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils codent. Et on peut parler des data engineers, des développeurs full stack, ou bien même des analystes de programmeurs. Que font tous ces gens? Bien, ils codent. Ah. Clairement. C'est comme Jérémy? C'est comme Jérémy, fils du voisin? Je dis non. Non, ça n'a rien à voir. Jérémy est sysadmin. Jérémy, c'est l'ami d'enfance, l'ami avec qui j'ai découvert l'informatique. Nous sommes en 1995. À l'époque, comme tous ceux qui s'y connaissent, nous n'avions qu'une question en tête: Pentium ou 486. Heureusement, l'ordinateur individuel était là pour nous éclairer avec sa disquette et son test pour savoir si nous étions prêts pour Windows 80. Eh bien, moi j'étais prêt, même si le seul ordinateur que vous n'avez jamais touché, c'était un vieil IBM avec deux floppy disques et même pas de disque dur en cours de technique. Vous avez dû connaître peut-être ça. Sauf qu'un beau jour, miracle, mon père arrive avec un ordinateur. Si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait feu de constructeur. On peut s'en souvenir, hein, qu'est-ce qui se souvient alors? Il y avait Dell, bien sûr, déjà. Hewlett Packard. Apple, n'oubliez pas Apple qui était déjà là. Non, mais de tout ça, mon père avait choisi Packard. Non. Mais en réalité, il avait choisi un Pentium. Donc de là, c'était bien, et c'était surtout ce genre de bête de course, voilà. 100 MHz, s'il vous plaît, 8 mégaoctets de mémoire. 8 MHz.
Sauf qu'en fait, effectivement, à l'époque, il y avait un argument crucial. Vous me parlez de l'oligarchie, vous me parlez de... Enfin, à l'époque, il y avait un argument crucial devant, qui était bien sûr les logiciels inclus. Eh oui, sans quoi l'ordinateur perdait toute sa raison d'être. Puisqu'à l'époque, hein, faut se souvenir, hein, pas beaucoup d'internet, peu de crack, même si certains téléchargeaient des packs de 10 000 céréales, hein, c'est ça. Pas beaucoup d'open source, bon, les logiciels inclus, c'était un big deal. Voilà. Donc, Packard Bell arrive avec 40 logiciels inclus, non, pas 10, pas 20, 40. Voilà. Parmi lesquels, Corellon. Ah bah, je ne sais pas si quelqu'un a déjà utilisé Corellon. Peut-être ici, ah, peut-être quelqu'un coupable ici. Il y a également le mythique ou mystique Écho de Dauphin. Et bien sûr, feu Microsoft Works. Voilà. Alors, il y en a certains qui ne doivent pas connaître Microsoft Works, pourtant, ça nous a été bien utile à une époque. Quand j'étais pauvre, je savais pas Word, t'avais Word. Voilà. T'avais pas Excel, t'avais Word. Voilà. Donc, et d'ailleurs, maintenant que je m'en souviens, bon, je fais de l'ordre, c'est bon. Maintenant que je m'en souviens, il y avait sur ces ordinateurs une espèce d'option qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, et je le regrette, puisque c'était une option pourtant été très utile, le bouton turbo. Bon, pour les secrets de fonctionnement, étaient bien sûr réservés aux plus experts et avertis d'entre nous, évidemment. Mais je vois déjà certains d'entre vous, oui, peut-être vous, monsieur avec le chapeau, voilà, vous dire, oh là là, 100 MHz, 8 mégaoctets, c'est un gamin. Ah, c'est un gamin, et c'est vrai. C'est vrai que je suis un gamin comparé à certains d'entre vous. Alors, je voulais quand même prendre quelques instants pour rendre hommage à ceux, voilà, qui ont commencé à coder sur ce genre de TI-99 de 1979. Ou bien un Epson Abacus avec deux obus disques. Et bien sûr, comment oublier, comment ne pas nommer ceux qui ont commencé sur le fameux Commodore 64, qui culminait à 1 MHz et 64 kilooctets. Bravo messieurs, d'avoir commencé à coder. Bien sûr, les anciens, mais pour en revenir à ma génération, la génération Windows 95, il y avait un truc de fou dans Windows 95, c'était le menu accessoire. Le menu accessoire, on y a dit, passait beaucoup de temps. Le menu accessoire, je me souviens, la première chose que tu fais, voilà, quand tu t'ennuies, tu ouvres le menu accessoire, tu trouves quelque chose d'incroyable. La loupe. Prends ta souris, tu zoomes tout ton écran et t'es content. Voilà. Tu découvres le magnétophone. 1, 2, 1, 2. Et tu remplis ton expédieur de fichiers WAV énorme. D'une durée maximale 10 minutes. Seuls certains hackers avaient réussi à contourner cette limite de 1 minute. Bravo. Les jours un peu moins intéressants, on finissait par le Notepad et sa version sous stéroïde de WordPad. Et pour les morceaux, on acceptait même de jouer avec la calculatrice. En mode scientifique, avec beaucoup de boutons. Mais je ne peux pas oublier le principal, Paint. Le jour où tu découvres Paint, voilà, tu arrives, tu prends ta souris, tu essaies d'écrire ton nom. C'est très moche. Là, je me souviens, moi, je dis à Jérémy, putain, ta souris, elle écrit mal. Mais je n'étais pas inquiet parce que je savais que quand je serais grand, je ferais comme les adultes, je ferais des clip art sous Paint. Je vois pas sur quel autre logiciel pouvait être fait ces clip art sous Paint. Mais à part le menu accessoire, il y a quelque chose qui aujourd'hui encore me donne des frissons. C'était ça. Alors, bon, en réalité, à l'époque, c'était HD Retina, dans mon souvenir, bon, je sais pas vous. Ouais. Bon, et d'ailleurs, ça me fait penser, parce que tout à l'heure, Nicolas en parlait. Bon, quand t'es un jeune codeur, une fois que t'as fini le menu accessoire, une fois que t'as fini les screensavers, t'as fait les,
les trucs de Béziers, là, t'es content? Bon, tu vas dans C2 points. Slash Windows. Voilà. Là, tu commences à cliquer sur tous les fichiers exe que tu trouves. Tous les fichiers exe y passent. Et à un moment donné, il se passe rien en général. Mais à un moment donné, il se passe quoi? Il se passe ça. Alors ça, vous pouvez rester une après-midi. Celui qui n'a pas passé la partie. Bon, une fois que tu avais fini de jouer avec tes fichiers exe et de jouer avec ton menu accessoire, tu fais comme tout le monde, tu vas dans un magasin, tu vas acheter un logiciel. Je me souviens, moi, la première fois que j'ai acheté un logiciel, un jeu, c'était Half-Life. J'arrive chez moi, j'ai la belle boîte, à l'époque on avait des belles boîtes. Donc je regarde derrière, il me manque 100 mégas. Je demande à un expert, le premier expert que je connais, Jérémy, 12 ans, mais expert quand même. Je lui dis, écoute Jérémy, il y a un problème d'espace. Il me dit, c'est quoi ça? Système 32. Vous connaissez la suite. Bon, sauf que moi, le lendemain, mon père devait aller faire le menu de mariage de ma soeur pour le publisher. Alors, en direction Boulanger. Le magasin est fini, hein, pas l'autre. Donc, on envoie l'ordinateur chez Boulanger et là, nouveau Windows. Et honnêtement, la sensation de l'OS fraîchement installé, c'est une sensation que je qualifierais de. C'est miraculeux. Voilà, donc au final, après ces envois, c'est bricolage d'enfantillage, voilà, c'est bricolage d'enfant, on décide avec Jérémy de devenir codeur et on va où? On va en école d'ingénieur, en école d'informatique. Qu'est-ce qu'on retrouve en école d'informatique? Vous, les camarades de promo, voilà. Parmi lesquels il y avait une personne, il y a plus qu'une personne dont je me souviens, peut-être vous aussi, une personne dont je me souviens particulièrement, une personne qui vient juste pour profiter de la connexion internet. Je demande bien ce qu'il vient télécharger. Il y a une personne qui, pendant que toi tu supprimes Système 32, hein, elle passe une certification Cisco. À 12 ans, voilà. Il y a une personne, bon alors nous on est fans de code, on aime bien ça, on écrit du code le soir et le week-end, voilà, pas de problème. Il y a une personne qui est en école d'ingénieur, elle ne veut pas écrire du code. Elle veut faire quoi? Chef de projet. Elle veut être chef de projet. D'accord, bien. Oh, c'est aussi l'entour. Ah, notre nom. Alors, et il y a une personne, bon tu ne connais pas tout le monde dans l'amphithéâtre, bien sûr. Mais il y a une personne qui sait où elle est assise, tu connais ses options, tu connais son parcours. La fille de la cour. Mais de tout cela, il y en a un duquel je garde un certain souvenir, un mêlé d'admiration et de perplexité, d'incompréhension. C'est la personne qui a payé 5000 euros et qui ne vient pas. Tu te demandes ce qui se passe, hein, parce que effectivement, tu t'inscris à la fac, tu viens pas, il n'y a pas de panache, c'est gratuit. Mais là, le mec, il paye 5000 euros et il n'y a pas. Bon, très bien. Bref, avec tous ses camarades, on se retrouve à la sortie de l'école à devenir codeur, ingénieur. Et je me souviens que j'ai eu la chance à la sortie de l'école de tomber sur un vieux codeur qui m'a donné des très bons conseils. Il m'a dit, Thomas, pour réussir ta vie et ta vie de codeur, c'est la même chose. Pour réussir ta vie de codeur, il y a des compétences que tu dois connaître, indispensables que tu dois connaître. Parmi lesquelles, la première, la maîtrise des drivers d'imprimante. C'est quelque chose que l'on n'enseigne pas à l'école et je le regrette, puisque tôt ou tard, vous serez confronté à cette challenge dans votre carrière professionnelle. Moi, il n'y a pas très longtemps, à un moment donné, j'ai réussi à installer une imprimante en Wi-Fi,
et j'ai eu une promotion. A contrario, j'ai un collègue, il n'a pas réussi, aujourd'hui il traite un bébé à le mec. Il est développeur Excel. Bon, il en faut, mais... Prof à l'école, la dernière fois, j'ai un collègue qui vient me voir, haute compétence très importante, il me dit, Thomas, j'ai un problème avec mon clavier, les chiffres sont cassés. Les chiffres sont cassés, mais là, je sors le numlock. Haute compétence en numlock. Évidemment, j'ai sauvé des heures entières de la boîte grâce au numlock. Autre petite... Bon, ça, ce sont des compétences complètement indispensables. Donc, voilà, vous ne pouvez pas réussir sans ça, bien sûr. Autre compétence importante qui peut être utile, c'est l'expertise en réparation d'Android, type smartphone. Parce que vous savez, il y a toujours quelqu'un dans Open Space qui ne sait pas se servir de son Android, qui n'a plus de place, qui ne sait pas router. Mais c'est le genre de mec qui répond au spam, vous voyez. Ouais. Il vient de voir. Enfin, d'ailleurs, à ce sujet, je pense que je préfère les utilisateurs d'iPhone. Voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, le iPhone user, il vient te voir, il est très fier. Les utilisateurs d'iPhone sont très fiers, voilà. Comme ça, avec leur iPhone, leur watch. Tu lui demandes là, il te dit « Ah, c'est pas plutôt un Uber ?» Ou alors, il fait « Hop, 2254 pas, il va falloir activer, là !» Alors, je dis que je préfère les iPhone users, parce que quand il vient me voir et qu'il a un problème avec son iPhone, je dis « Bah, ça va au Genius Bar. Ils ont des Genius chez Apple. » Eh oui, mais ça ne serait pas vraiment la seule compétence utile, si ce n'est une qui est bien difficile à maîtriser, qui est la maîtrise des convecteurs temporels pour mettre en production hier. Voilà, ça, ce sont les compétences de base pour entrer sur le marché du travail. Parce que le travail, c'est pas ce qui manque pour nous les codeurs, hein. C'est vrai. C'est pas ce qui manque. Aujourd'hui, les codeurs peuvent travailler sur des projets qui vont toucher des millions, des milliards de personnes. Des milliards. En parlant de milliards, qu'est-ce qui crée la valeur aujourd'hui? Qu'est-ce qui crée la valeur? Ce sont les codeurs, ce sont nous, vous. Avec quelques lignes de code, un petit logiciel, on peut toucher et créer des milliards. Comme par exemple, chez... Non mais en fait, ça, c'est un cas isolé. Un cas isolé de codeurs non éthiques, hein. La plupart des codeurs, comme nous, voilà, respectent le travail de leur père. C'est pour ça qu'on fait partie des gens qui piratent le moins le logiciel. Faites pas gaffe à ça, c'est un faux positif, de toute façon, qu'est-ce qui code sous Windows, de toute façon, personne. Ah, Windows est gratuit, bien sûr. Donc, à chaque fois que j'ai en conférence, personne ne code sous Windows, mais les chiffres ne montrent pas ça. Alors, je suis sûr que si je demande qu'est-ce qui code sous Windows, personne ne va lever la main. Qu'un fond. Ah, et en plus, on a pas de problème. Bien sûr. Ce n'est pas un problème. Mais, voilà. Donc, en réalité, voilà, j'expliquais à ma mère, c'est comme ça qu'on peut. Voilà, c'est ça, pour ça qu'on devient codeur, voilà les raisons d'où on vient, pourquoi on fait ça, ce qu'on aime. Je lui dis même qu'il y a des façons de reconnaître un codeur, des petites caractéristiques, des petits défauts, voire des tops, hein, qui peuvent nous permettre d'identifier le codeur. Première particularité du codeur, pour moi, c'est la relation avec le presse-papier. Le moment où tu fais CTRL-C, ou pomme C pour les enfants. Non, c'est CTRL-C. Tu sais très bien qu'il y a quelque chose sur ton presse-papier, et il peut bien se passer le big bang, que tu sais qu'à un moment donné, il faudra que tu fasses CTRL-V. Moi, je me souviens d'ailleurs, anecdote. Ce jeu, à un moment donné, je fais CTRL-C, je suis perturbé par quelqu'un dans Open Space et tout. Je m'en
m'en vais, finalement la soirée se passe, je me couche et là, je n'endormais pas, je tourne dans mon lit. Et là, je réalise que ce qui ne va pas, je me lève, je fais CTRL-V pour retrouver la sérénité. Bon, c'est une farceur à la con, voilà. Je retrouve la sérénité. Et donc, qui dit CTRL-C, CTRL-V, dit CTRL-S. CTRL-S. Parce que parmi les caractéristiques du codeur, c'est que plus tu attends, plus tu vas faire CTRL-S un grand nombre de fois. C'est pas la toque, c'est une sécurité. Autre caractéristique du codeur, que je ne m'explique pas tout à fait, c'est que nous, on voit des adwares. On les voit. C'est une sorte de sixième sens qu'on a peut-être développé à force de pérégrination dans l'interweb. Et nous, par exemple, sur ce genre de page, on sait très bien sur Speed Test que le démarrer, c'est un piège. Oui, la géolocalisation, on peut comprendre. Nous, on comprend. Ou alors, sur ce genre de page, toi, tu sais où est le bon bouton. Le noob, il ne sait pas. Des fois, j'ai des amis, peut-être vous aussi, vous avez des amis hyper noob, t'as envie de me dire, dis donc, le web, ça doit être dur. Des fois, ça doit être la galère. Galère pour les noobs, mais aussi galère pour nous, parmi nos caractéristiques, nos galères. Moi, j'ai un ami, un directeur technique, excellent, voilà, parmi les pointures. Et il y en a ici aussi qui devaient être des grandes pointures. Ils sont capables de coder en plusieurs langues, ils sont capables de gérer plusieurs bases de données, ils font du refactoring du code des autres, ils arrivent même à faire de l'estimation précise de tâches. Voilà. Mais il y a un truc qu'ils n'arrivent pas, et donc moi non plus, c'est nommer les variables. C'est un truc de barre. Le truc, c'est que quand tu as un putain de tableau de données de SQL, tu vas l'appeler comment autrement que data. Enfin, tu l'appelles data. Bref. Mais, voilà, petite caractéristique, ce n'est pas tout. Pour reconnaître un codeur aussi, il a autour de lui un espace temporel qui peut être assez changeant, notamment quand tu lui demandes une estimation de temps. Il va commencer par te dire 5 minutes avant d'ouvrir le jeu. Le problème, c'est que 5 minutes, il peut vite devenir une heure. Bien sûr. Il n'est pas rare, dans certains cas extrêmes, certes, que le 5 minutes devienne demain. Et hélas, comment ne pas mentionner que des fois, le 5 minutes devient oublie-moi à tout jamais. Caractéristiques, défauts, mais aussi top. Moi j'ai un petit problème, j'ai un top, c'est les boîtes. Je sais pas vous, mais les boîtes, je les jette pas. Oui, c'est ça. Alors la dernière fois, j'étais chez Rue Montgalet a paru, certains connaissent Rue Montgalet. Le mec me dit, écoute Thomas, il connaît mon nom, écoute Thomas. Ne jette pas les boîtes, c'est pour la garantie. Voilà. La garantie est passée, le matos est à la poubelle, j'ai encore les boîtes. Je suis sûr que ça va entre eux aussi. Inutile de parler de la boîte à câbles avec les câbles VGA. Et le câble SCSI. Enfin, les plans parallèles. Bref, ça c'est comme ça qu'on peut reconnaître un petit peu. Du coup, ma mère avait l'habitude de me dire, écoute, Jérémy, et puis encore des fois, elle me dit, tu pars content devant l'ordinateur, sors un peu, tu vois personne. Si, tu vois des gens. Est-ce Stack Overflow. Stack Overflow, c'est un truc de fou. T'adores Stack Overflow parce que déjà, tu vas sur Stack Overflow, il y a plusieurs types de personnes. Il n'y en a qu'une personne, c'est très bien, c'est la personne, elle a un problème très très simple.
elle n'ouvre pas Google, elle n'ouvre pas le manuel, elle ouvre une question Stack Overflow et elle attend. Je demande ce qui se passe en fait. Le mec il est bloqué sur une parse erreur à la con et il attend. Voilà. Et l'autre personne dont on sait très bien, bon, on connaît très bien, c'est la personne qui a exactement le même problème que toi, qui a une réponse, qui dit c'est bon, j'ai trouvé, salut. Balance la réponse, mec. En parlant de Stack Overflow, je vais parler un peu de forum. Il y a un petit truc que moi j'aime bien, c'est la domotique. On va parler avec certains. Est-ce qu'il y en a qui font de la domotique ici, peut-être bien? Ah, vous adorez ça, super. La Z-Wave, tout ça, X10. Bref, et la dernière fois, donc moi je voulais faire un truc très simple en domotique. Je voulais faire en sorte que quand je rentre chez moi, la lumière s'allume. Bon, le truc de base, ça. Sauf que bah, nous, en tant que codeurs, on finit par avoir des questions qui sont des questions improbables. Et donc, moi, je voulais allumer la lumière que quand il faisait nuit, bien sûr. Donc, je finis par poser une question sur un forum très pointu. Je dis, comment savoir si c'est le jour ou si c'est la nuit? Là, il y a un mec qui me dit, regarde par la fenêtre. C'est pas un con. Elle n'est pas beaucoup aidée, surtout que, bon, bah oui, où est-ce qu'on code à la cape, dans les grottes, tout ça. On voit pas beaucoup la lumière du jour, mais en fait, si un petit peu, notamment pour les rendez-vous clients. Autre anecdote, les rendez-vous clients, c'est là où on sort de la grotte du bureau. Je vais, du coup, il y a un collègue qui me dit « Thomas, c'est chaud, il y a un rendez-vous client, il y aura leur directeur technique, faut que tu viennes, c'est chaud. » T'inquiète, voilà, je viens, il n'y a pas de souci. On y va, donc ça commence par 2 heures d'attente, comme d'habitude. Et dernier moment, est-ce que vous avez une question technique? Oui, ils ont une question technique, notre directeur technique est là. Et là, il nous pose une question de très haut vol. Est-ce que le site sera codé en HTML5? Ouais, il y aura même du CSS3. Et le problème, c'est que ça s'arrête là. Voilà. Donc voilà, 2 heures de perdu, 2 heures de perdu. Et de quoi, bien sûr, énerver le codeur. Et pour énerver le codeur, il y a plein de solutions, il n'y a pas de façon, et notamment l'IDE. Ah. Le rapport du codeur avec son IDE est très particulier. On passe plus de temps avec son IDE qu'avec son conjoint. Mais tout comme le conjoint, l'IDE n'aime pas trop l'infidélité. Alors quand tu modifies un fichier à l'extérieur, bah, tu peux bien faire F5 ce que tu veux, de toute façon. Ou même, comme avec le conjoint, il y a des jours, tu te lèves, tu n'as rien fait, et il n'y a pas d'autocomplétion. Ou il manque une fonction. T'as dû faire un raccourci clavier et pour l'annuler, il faut aller dans les tréfonds du menu, de ce menu. Je ne sais pas ce que c'est. L'IDE peut énerver beaucoup le codeur. Mais il y en a un aussi qui n'est pas le dernier. Les codeurs, on peut les rendre fous assez vite. On va voir plusieurs exemples. Il y en a un qui n'est pas le dernier pour rendre fou le codeur, c'est Chrome. Chrome, alors le problème de Chrome, c'est que avant, tu avais de la mémoire et maintenant, il y a Chrome. Alors ce que tu fais, c'est que bien sûr, tu mets de la mémoire, tu dis vas-y, voilà la mémoire, ça va fluidifier l'espace de travail, il y aura de la RAM en plus pour Skype, pour les IDE, et ça, en fait, tu mets de la mémoire, et en réalité, les IDE... Oui, il y a des gens qui utilisent à la fois NetBeans, à la fois Eclipse. Il y a même des gens qui utilisent Eclipse. Alors, vous pouvez lever la main. Alors, autre façon, alors maintenant, plus spécifiquement, pour énerver le codeur CSS, bon, c'est pas beaucoup, mais quand même, sachez que pour énerver le codeur CSS, tu lui casses la cascade. L'important. Ça, ils n'aiment pas ça. Le CSS n'aime pas ça, mais pour énerver le front-end développeur,
l'HTML grec, tu lui balances du BR. Ah, ils aiment pas ça, les BR. Mais ça, à l'arrière, c'est encore gentil. C'est encore gentil. Parce que la dernière fois, ça vous arrive, tu veux juste modifier un fichier XML ou regarder un truc dans un fichier JSON. Et là, qu'est-ce que tu fais? Double-clic, erreur. Qu'est-ce qui vient? Visuel. Pas de plus. Voilà, là c'est 5-10 minutes au pire de perdu, ça va encore. Alors le pire c'est quand, voilà, la dernière fois, je veux modifier un fichier Wave ou MP3 que sais-je, je télécharge un logiciel quelconque sur SourceForge, hein, c'est SourceForge, le logiciel. Là tu fais Next un peu trop vite. Et là tout d'un coup. Ah, c'est 3 heures de perdu, les gars. Ah, RTT direct. Nettoyer ce bordel. Eh oui, bien sûr. Bon, ça, c'est quand on s'énerve tout seul. Mais tu peux aussi t'énerver entre collègues. Il y a une petite astuce pour énerver un collègue très fort. C'est très simple. Tu ouvres un ticket et dedans, tu mets urgent, point d'exclamation. Oh. Voilà, le point d'exclamation, ça passe pas, mais... Si t'as envie que ton collègue il démissionne, tu mets 2 points d'exclamation. Voilà, mec, t'en vas direct. Mais le pire pour un codeur, bien sûr, c'est que quand tu pars en vacances, que t'as laissé quelque chose de nickel, que tu reviens, et que quelqu'un a tout cassé dans ton code. Bien sûr. Mais difficile de ne pas parler d'énervement de codeur pour une certaine génération de codeurs sans parler d'Internet Explorer. L'ordinateur familial, l'ordinateur chez ma mère, bon voilà, comme tout le monde, hein, à un moment donné j'ai caché l'icône IE, j'ai mis Firefox, j'ai mis Chrome, enfin tout sauf IE. Et un beau jour elle vient me voir, elle me dit, c'est quoi le problème avec Internet Explorer? 10 ans d'évangélisation. Et pour me retrouver avec un, c'est quoi là le problème avec Internet Explorer? Bon, IE6, Microsoft vont le payer pendant des générations. Un jour ils diront, on est désolé, effectivement le codeur est énervé, mais le codeur énervé est aussi réconforté. Codeur réconforté? Alors, c'était Noël il n'y a pas si longtemps, c'est votre anniversaire, alors tout comme bon codeur, comme geek, voilà, on nous offre des cadeaux. Les bons cadeaux qu'on nous offre, vous avez eu aussi un truc USB. Hein, bien sûr. Ou l'autre cadeau qu'on peut avoir, c'est un t-shirt très drôle, c'est geek, lol. Mais il y a un autre cadeau qui, à la base, n'est pas forcément une mauvaise idée, mais j'ai dit à ma mère, écoute, c'est le Blu-ray de Star Wars, c'est bien simple. Soit je l'ai déjà, soit je l'ai pas, c'est que je ne veux pas. On sait pourquoi. Dernière mauvaise idée de cadeau, la licence Unra. À ce moment-là, on dit, vas-y, balance le pognon, ça va financer les side projects. Ah, et oui, les side projects, les fameux side projects. Et là, ma mère me dit, mais c'est quoi cette histoire de side project? Écoute, c'est très simple. Le side project, c'est le projet qui n'a jamais vraiment commencé et qui n'a jamais vraiment terminé. Alors, à ce moment-là, ma mère dit, donc en fait, vous les codeurs, vous codez pendant la journée, vous codez au taf, et puis souvent, le soir et le week-end, vous codez aussi. Ouais, on code et tout, on fait des trucs, et donc, c'est votre passion, vous aimez ça, je vois, bien sûr.
même si des fois il y a des petits doutes. Il y a des petits doutes parce que on peut bien se déchirer sur, sur des frameworks, sur du React, du Meteor, du Docker ou que sais-je, du microservice, mais au final, est-ce qu'on n'est pas là des fois juste pour placer la bonne bannière au bon utilisateur au bon endroit, au bon moment? Eh oui, on pose la question. Non, en fait, non, puisque quoi qu'il en soit, il y a des fonctions, il y a du code qui est tellement beau que des fois, voilà, t'as envie de te dire, c'est magnifique, c'est tellement magnifique que des fois, t'as envie de, ton code, t'as envie de l'encadrer, c'est de l'art. Il y a des jours où il n'y a pas de fonction, voilà, merci de l'encadrer. Même si en réalité, bon, faut quand même dire qu'à chaque fois que je regarde le code, chaque année, je regarde le code de l'année d'avant, et je me dis que c'était bourré en fait. Donc est-ce que je ne suis pas doué à écrire du code mauvais? Est-ce qu'au final ça vaut le coup de continuer à développer, à se déchirer comme ça dans ce monde qui évolue si vite? Des fois j'ai envie de dire arrêtons tout, arrêtons l'ordinateur, devenons, je sais pas, peintre, allons à la campagne, que sais-je, faisons autre chose. Hein, parce qu'au final, à quoi bon. Attendez. Oui, allô? Un bug en production? Le framework? Bon, ok, j'arrive, attends, je suis un con, mais j'arrive. Bon, écoutez, bug en production, j'y vais. Donc je vous dis merci, bonne fin de Brest Camp, et à bientôt!